Bienvenue à cette session, cet atelier autour du marketing automation qu'on a voulu dédier à l'approche grand compte. C'est pour ça que j'ai l'immense plaisir d'accueillir Olivia qui travaille chez CFR à la génération de leads au marketing digital. Et je suis Stéphane Coulot, donc le président et le fondateur de WebMécanique. On est éditeur de logiciels, de solutions de marketing automation et de CRM. On a un stand en bas, comme vous voudrez. Merci Olivia de nous faire part de tes projets. Donc, peut-être tu peux nous parler un petit peu de SFR Business. Oui, bonjour à tous. SFR Business, une entité de SFR qui fait partie du groupe Altis et qui accompagne les entreprises de la TPE au grand groupe. Donc on fait un petit peu le grand écart dans leur transformation digitale. Voilà, avec des solutions, bien évidemment, Internet et réseau, la fibre, mais aussi tout ce qui est téléphonie mobile, bien sûr, communication unifiée, sécurité, voilà, et j'en passe. Voilà. Très bien. Donc, WebMécanique, nous, on édite des solutions de marketing automation et de CRM. On trouverait les petites fiches en sortant avec un petit carnet pour vous également. Et aujourd'hui, on voulait vous parler de justement, en grand compte, la gestion de la base de données, qui est un gros sujet, parce qu'en général, dans les grands comptes, il y a beaucoup de données et beaucoup de bases. Les campagnes qui sont mises en œuvre, tout l'aspect législatif, hein, vous avez entendu parler de Privacy Shield, de RGPD, et également tout ce qui est nécessaire en termes de support d'accompagnement et de création sur les campagnes d'automation, de marketing digital au sens large. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que vous faites avec WebMécanique, l'outil de marketing automation de WebMécanique chez SFR Business? Alors, tout à fait. Donc, ça fait 2 ans qu'on travaille avec WebMécanique, que notre partenariat a commencé. Aujourd'hui, c'est un outil pour nous très important de la génération de leads, puisqu'on envoie beaucoup de campagnes, on en fait plus de 500. Et qu'on a aujourd'hui une base de données conséquente. J'ai mis 750 000, j'étais un petit peu pessimiste. On dépasse les 800 000 maintenant. Voilà, donc tout l'objectif là, c'est de vous montrer aussi effectivement que c'est un outil qui est totalement adapté à la complexité des grandes entreprises. Aujourd'hui, grâce à WebMécanique et donc les campagnes d'email que nous faisons, bien évidemment, on génère des opportunités business puisque c'est notre périmètre au marketing digital. Mais également, on informe nos clients dans le cadre du cycle de vie de leur produit au bon moment de certains événements, que ce soit des événements plus techniques ou des événements pour leur parler notamment de leur future éligibilité ou d'autres choses. Alors, l'aide de la guerre, c'est les data hein, dans toutes ces opérations-là. Ouais. Dans les grands comptes, en général, on a des masses de data assez importantes, une hétérogénéité, un legacy, un historique qui fait que bah, voilà, y a des choses qui sont arrivées à différents moments de l'histoire. Comment vous gérez ça? Comment vous gérez cette notion d'hétérogénéité et pour les nettoyer et pour en faire quoi derrière de vos data? Alors, effectivement, aujourd'hui, pour nous, ce qui est important, c'est la conjugaison entre la donnée démographique, les données comportementales et les données entreprises. Donc, effectivement, on a une base de données qui a 2 entrées, une entrée entreprise et une entrée au contact, puisqu'il y a quand même certains emails qu'on récolte dont on n'a pas tout de suite le sirène. Il va falloir le qualifier. Donc, pour faire nos envois, il va bien falloir avoir ces 2 dimensions. Une fois qu'on a ces 2 dimensions, c'est vrai, sur la droite du slide, on va pouvoir la réconcilier avec la donnée entreprise. Si on a le sirène, on va pouvoir réconcilier toute la donnée. Est-ce que je suis un client? Est-ce que je suis un prospect? Quel type d'offre j'ai? Et du coup, quel type d'offre je dois pousser. Conjugué à
la donnée comportementale de nos clients ou de nos prospects, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un tag webmécanique sur le site Internet qui nous permet d'identifier les visiteurs sur quelle page ils vont aller. Et du coup, on peut avoir la puissance vraiment d'un ciblage fin pour faire des campagnes ad hoc. Alors, du coup, vous en faites quoi de ces données ? Alors, sur la base de données, il y a quelque chose, effectivement, qu'on a tout de suite mis en place et qui, à mon avis, est quelque chose, effectivement, qui est... Alors, soit il y a une réconciliation avec le CRM, mais ça, c'est en fonction des CRM que vous avez. En revanche, nous, on a un CRM maison. Donc, avec un CRM maison, on a réussi à mettre en place une API qui va, en fait, toutes les semaines... qualifier l'intégralité de la base de données et donner les différents statuts qui vont nous aider au ciblage. Donc ça, c'est quelque chose de super important qui nous a beaucoup aidé et qui a un gain de temps absolument fabuleux. Ensuite, effectivement, notre base de données, elle va être alimentée bien sûr par le Dataware, mais également par l'ensemble des campagnes qu'on va pouvoir faire. Et c'est là où on va récolter de temps en temps des emails sans sirène. Donc, il va falloir ensuite aller qualifier le sirène. Et ça, effectivement, c'est la mise en place de campagnes type e-book, replay de webinar, etc. Et puis, nous, on a intégré une troisième notion dans cette base de données qui est importante, qui va permettre la personnalisation, c'est-à-dire qu'on a fait une entrée par les ingénieurs commerciaux de la base de données, ce qui va permettre d'envoyer des emailings personnalisés au nom de l'ingénieur commercial. Et donc, on sait, la personnalisation, on en parlait encore ce matin, c'est quand même un des éléments très importants. On parle un peu des campagnes ? On parle un petit peu des campagnes, bien sûr. Je voudrais introduire ça par un petit peu démystifier un peu ce que sont les campagnes. Alors, parmi vous, j'ai posé la question tout à l'heure, il y a pas mal de gens qui font déjà des campagnes de marketing automation. Pour les autres, je voulais vous partager un tips sur comment on construit des campagnes, parce que finalement, c'est assez simple. La première chose à faire, c'est de définir son persona, c'est-à-dire à qui je m'adresse. Et si je m'adresse à deux personnes, eh ben, ça veut dire que peut-être j'ai deux campagnes différentes ou deux campagnes identiques avec un contenu un petit peu différent. C'est un bon critère pour savoir si ma campagne adresse trop de monde ou pas. Donc, on fait de l'hyper-ciblage. La deuxième chose à se poser comme question, c'est quelle finalité de mon scénario, qui est souvent un trigger, hein, qui est quelque chose qui se déclenche à condition que sur un tel segment, c'est quoi, je veux amener les gens à quoi ? Sachant que le à quoi peut être un autre trigger, hein, ou c'est pas forcément une finalité absolue de l'entreprise. Et derrière, je vais me poser la question, bah, c'est quoi la séquence que je voudrais faire en mode if, then, else, hein, si il se passe ça, alors il se passe ça, sinon il se passe ça. Et derrière, bah, quel contenu je mets à l'intérieur ? Encore une fois, il y a des scénarios, on va les dupliquer à l'infini, par exemple sur des webinars, le post-webinar, quel que soit le webinar, ceux qui ne sont pas venus, on leur envoie un replay, bon, bah, c'est toujours le même, c'est le contenu du replay qui va changer le lien de la landing page sur lequel on va trouver ce replay. Donc ça, c'est un standard, c'est un tips sur lequel on peut créer tout type de scénario. Et alors vous, chez SFR, Olivia, vous faites quel type de scénario d'emailing, de campagne que vous faites ? Alors, nous, on envoie de façon hebdomadaire un certain nombre d'emailing en fonction de ciblage pour envoyer nos actus, nos offres. Donc ça, je dirais que c'est du récurrent, avec des ciblages assez larges. Et puis, à côté, on va mettre en place des campagnes plus fines, notamment des campagnes de nurturing. Donc, le nurturing, un envoi, dès lors qu'on a déterminé l'appétence d'une adresse email de la base de données, puisqu'il est venu sur nos sites. Si je donne un exemple, un visiteur vient sur nos sites, sur les pages communication unifiée, on va estimer s'il correspond bien à la cible, qu'il est intéressé, qu'il est appétant. Donc, on va lui envoyer une série de 4 ou 5 emails avec toutes les semaines quasiment, avec des contenus à forte valeur ajoutée. Je ne sais pas si Leïla est dans la salle, on travaille avec Winband sur le sujet. Et à la fin de cette séquence de quatre emails, on envoie une landing page décision pour vraiment créer le lead, créer l'envie avec notre offre mise en avant. Je crois qu'on a quelques exemples de newsletters. Alors ça, c'est des exemples de newsletters, effectivement, dans lequel, en fonction des cibles, on mélange contenu protégé, e-book, replay ou article simple.
Voilà, avec derrière des landing pages, donc des landing pages qu'on fait aussi sur WebMécanique, ce qui nous permet d'avoir une certaine agilité au niveau des champs que les personnes remplissent et de récolter les informations qu'on souhaite. Voilà, donc ça c'est le côté un petit peu, c'est des exemples de d'emailing récurrent mensuel. Vous utilisez les formulaires progressifs ? Oui, pour certaines campagnes. D'accord. Un formulaire progressif, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des... en fait, vous posez... on s'aperçoit qu'au-delà de trois questions posées, les gens ne remplissent plus le formulaire, hein, ou beaucoup moins, en tout cas, une décroissance très forte. Et en fait, l'idée, c'est de poser la question supplémentaire dont vous avez besoin de la réponse. Par exemple, au début, vous avez besoin essentiellement d'adresse email, nom, prénom, adresse email, peut-être que le numéro de téléphone, le job, la géographie, enfin les critères qui vous intéressent, vous les demanderez plus tard sur d'autres téléchargements, sur d'autres vidéos. Et ça, c'est, ça améliore la performance de manière grandiose. En termes de programme automatisé, le bon momentum pour envoyer les emails, vous pratiquez quoi ? En fait, ça dépend des campagnes et ça dépend des objectifs. Donc, en fait, ça, c'est plutôt à chacun de définir un petit peu ses objectifs. Nous, je sais qu'il y a certaines campagnes de bienvenue qu'on envoie à nos clients. On a, dès lors que le client est éligible à la fibre, on va lui envoyer un emailing pour l'en informer. Voilà, donc il y a certains moments, mais je dirais que chaque entreprise à son moment et la détection des signaux qui sont importants, voilà, et puis bien évidemment le nurturing qui vraiment définit ce que l'appétence du visiteur. Question piège qu'on n'a jamais préparée, tu sais combien d'emails tu envoies pour préparant? Non, je sais qu'il y a 500 campagnes, mais non. Pour dire qu'en tout cas, de faire les landing pages, tout ça, au terme de même outil, ça améliore vachement les performances aussi. En termes de, parce qu'en fait, vous avez beaucoup de workflows qui s'enchaînent les uns aux autres. Et en fait, si vous devez répondre via API à différents outils, vous alourdissez considérablement la performance globale. Donc évidemment, c'est lié au nombre de workflows qui sont générés. Il n'y a pas que l'envoi d'emails, hein, il y a aussi le nombre de hits sur les sites. Donc plus vous êtes B2C versus B2B, ben, vous avez tendance à avoir plus de hits. Et c'est, tous ces aspects-là, ces notions-là, sont très importantes quand vous faites le choix de vos outils. Décidément, j'appuie toujours sur le même bouton. On aborde un petit peu la partie légale. Vous avez entendu tous parler peut-être du Privacy Shield, plus sûrement du RGPD avant. Donc le RGPD, c'est toute la notion autour de la garantie de la confidentialité de la data. Vous n'utilisez que ce dont vous avez besoin. C'est un peu différent B2B, B2C. Le Privacy Shield, c'est l'accord qu'on avait passé avec l'Amérique du Nord, les USA, sur le non-exploitation des données, etc. Donc on voit que, peu importe, toutes ces lois-là montrent l'importance pour vous de la traçabilité de la data. On en a l'habitude dans l'agroalimentaire depuis longtemps, de cette traçabilité. C'est pour ça qu'on voit des scandales des fois. C'est parce qu'il y a une traçabilité qui a été détournée, mais elle existe. Sur la data, c'est un petit peu moins évident, on est un peu moins acculturé, c'est plus récent comme notion. Vous l'embrassez comment, c'est cette notion de sécurité, de data, de traçabilité? Alors nous, là-dessus, on a des process excessivement rigoureux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le choix de WebMécanique est en étroite relation avec tout ce qui s'est passé, puisqu'un des critères de choix, ça a été l'hébergement des données en France. Puisqu'aujourd'hui, quand même, WebMécanique héberge notre base de données clients et prospects. C'est pas rien, j'espère que tu t'en rends compte. Absolument. Pression tous les matins, petit déj. Et donc, ça a vraiment été un critère de choix. Et après, effectivement, il y a eu un réel dialogue qui s'est mis en place entre WebMécanique et aujourd'hui nos correspondants, la DPO. Dans lequel WebMécanique a su montrer patte blanche sur tous les aspects sécurité, sur tous les process qu'ils avaient mis en place pour nous montrer que la solution était digne de confiance. Et cet échange a été vraiment très très important, d'autant plus qu'effectivement vous correspondez à tous les standards que le groupe en tout cas demande. Je le rappelle, par rapport aux lois extraterritoriales américaines, par exemple, c'est la notion de ne pas utiliser le dollar, pas avoir d'activité sur le territoire américain, pas utiliser un composant américain. Et le quatrième critère, c'est d'avoir des personnels américains. Et dans nos contrats aujourd'hui, avec les grands groupes, je pense à Crédit Agricole par exemple, Andros, etc., il est marqué dans les contrats que si on a des personnels américains de nationalité américaine, il faut en avertir le DPO parce que ça fait partie de la matrice de risque des grands comptes aujourd'hui. Alors,
des grands comptes et des gens qui travaillent pour les grands comptes. Hein, donc les fournisseurs de rang 1, rang 2, etc. Nous, on vient d'Annecy en Savoie, donc on a des décolteurs qui travaillent avec des gens comme BMW, BASF, et ces gens-là leur demandent par où passent les données, par quel type de logiciel, quelle est la traçabilité, exactement comme dans l'agroalimentaire, parce que c'est un enjeu primordial. Je rappelle que sur les 5 dernières années, plus de 150 milliards d'amendes ont plu sur les entreprises européennes liées à des juges qui sont emparés des données dans les logiciels américains. Et les éditeurs américains sont obligés de les donner, de toute façon, de donner accès. C'est la loi et c'est leur loi. Donc, c'est un enjeu pour la sécurité nationale, mais la sécurité aussi de vos entreprises. Et tout le monde se rappelle d'Aston Power et de Frédéric Perucci qui a été emprisonné quand même 25 mois en allant visiter ses équipes commerciales aux États-Unis sur la base de données piochées dans les logiciels. Donc, c'est un enjeu qu'il ne faut pas s'y sous-estimer. Soit pour vous-même, soit pour vos clients. C'est un très très gros enjeu et donc n'hésitez pas à demander cette traçabilité, de l'exiger dans vos contrats à vos fournisseurs, quels que soient les logiciels. Pas un exercice simple. Un sujet, c'est quand même le support et l'accompagnement, parce que quand on est un grand compte, on a une structure matricielle, on rend compte à pas mal de monde, et donc il faut que l'éditeur il soit là. Alors qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un éditeur de logiciels, notamment sur la partie marketing ? On attend vraiment une relation de proximité, ce qu'on a eu avec WebMécanique, puisque effectivement il y a certains autres éditeurs de logiciels dans lesquels il y a une espèce de relation tripartite qui se met en place, alors que là je dirais que tout est inclus. Voilà, que ce soit le support, que ce soit la mise en place, la migration quand même qui n'est pas un petit chantier. On n'en a pas parlé, mais vous migriez depuis une autre solution de fait de marketing automation auparavant, hein, que vous utilisez oui, déjà. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, effectivement, il nous fallait vraiment un prestataire qui soit très disponible. On demande beaucoup de disponibilité, surtout au début, parce qu'il y a eu quand même un petit stress. Et effectivement, un support intégré, ce qui fait qu'on est très proche des équipes et qu'on a réussi à mettre en place vraiment des échanges très, très constructifs. On a des rendez-vous tous les jours avec Delphine. Donc la Customer Success Manager qui vous est dédiée. Voilà. Et je dois dire, du coup, que ce soit à la fois sur certains problèmes qui peuvent arriver, il y en a comme partout, mais aussi sur certains projets, et notamment, c'est vrai que de temps en temps, on a envie de faire des choses assez complexes, et du coup, Delphine nous accompagne super bien pour tout mettre en place par rapport à notre instance, qui est une instance. Delphine, si tu nous écoutes, c'est important ça de pouvoir appeler un ami, quelqu'un qui vous connaît et qui connaît votre environnement, qui connaît aussi, Pierre-Paul, Jacqueline, à l'intérieur des équipes de manière transversale et qui est là depuis le début. C'est ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Combien de temps a pris la migration ? Parce que c'est quand même c'était un enjeu assez important. Il y avait beaucoup de choses déjà de construites. Je crois que ça a duré 4 mois. Moi, je dirais plutôt 6, mais moi, je dirais 4, c'est bien, tu es optimiste, tu gardes une très bonne mémoire, c'est que ça s'est très très bien passé. Vous avez un rendez-vous très régulier avec Delphine sur des nouveaux projets, sur des choses que vous voulez activer. Oui, tout à fait. Oui, à la fois sur je dirais, c'est comme une voiture, l'entretien de la solution, parce que la base de données, quelque part, voilà, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur l'instance, donc on fait chacun des choses. De temps en temps, il faut un petit peu épurer tout ça et rendre tout ça un petit peu plus fluide. 500 campagnes par an, quand même, c'est pas rien. Et puis sur effectivement l'avenir, à la fois à titre conseil, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, et à la fois de temps en temps, on redescend à Delphine des projets qu'on souhaite mettre en œuvre. Vous êtes combien dans l'équipe marketing à peu près ? Marketing digital, ouais. Leadgen, ouais. À travailler sur WebMécanique, 3. Vous avez régulièrement des gens qu'il faut faire monter en compétences ou remonter en compétences sur des solutions, etc. Comment vous formez, Alors tout à fait, surtout qu'on a des alternants, donc effectivement aujourd'hui on les fait monter en compétences. Effectivement, au départ à la migration, on a eu des modules de formation, alors qui étaient très complets. Au départ, ça a été un peu difficile. Voilà, quand on passe d'un outil de marketing automation à un autre outil,
pour certains. Tout ça, ça ne fonctionne pas exactement de la même façon. Donc, effectivement, les équipes ont été un petit peu plongées dans la piscine sans savoir trop nager. Et au départ, il y a eu une sorte de réticence. Et en fait, tout ça, ça s'est mis en place très bien. Mais il faut arriver à la fin des modules de formation, effectivement, pour voir que voilà, tout ça, ça se fluidifie. Il faut faire pour bien intégrer la formation. Et puis, il y a ce module Académie. Donc, c'est super parce qu'à la fois, il y a eu ces formations. Et puis, bien évidemment, les équipes se transmettent la connaissance. Et dès lors qu'il y a besoin d'éléments supplémentaires, etc., ils peuvent aller sur ce module Académie. Absolument. Donc, c'est une formation aussi bien sur les fonctionnalités que sur l'e-band marketing, sur le RGPD, sur les centres de préférence, enfin, sur plein de choses sur lesquelles on accède 24/7, autant de fois qu'on veut, toute l'année, et sur lesquelles on peut faire accéder des nouveaux venus, des alternants ou des gens qui sont là, mais qui ont perdu la compétence à un moment donné par rapport à la certification initiale, parce que quand on ne pratique pas tous les jours, il y a des tas de fonctions qu'on ne pratique pas tous les jours, heureusement. Et donc, il faut remonter en compétence. Donc, ça, c'est très, très utile et très important dans un grand compte. Tu nous parles un petit peu des créations que vous faites. Comment vous les faites ? Alors, nous, on a de la chance parce qu'on a un graphiste dans l'équipe. Néanmoins, on a beaucoup de créations et de temps en temps, il ne peut pas suivre. Donc, on a mis en place tout un système de template qui est très important. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est le côté très simple, en fait, de la solution que tu appelles Email Builder. Moi, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Mais c'est très intuitif, c'est du drag and drop, honnêtement, c'est à la portée de tout le monde. Maintenant, effectivement, faire une création à partir d'une page blanche, c'est jamais simple. Donc, se baser sur un template, ça quand même, ça rend les choses beaucoup plus fluides. Ça reste des cases à remplir, il faut les remplir avec du contenu intéressant, mais voilà, au moins on a à peu près la mise en page. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi cette possibilité d'intégrer un code HTML pour soit une reprise de créa existante, quand on veut faire des choses un petit peu différentes. Ouais, ce qui est important, c'est que vous utilisez la puissance du marketing automation, c'est comme sa personnalisation. Et on peut tout personnaliser dans les emails, aussi bien évidemment des champs de type nom-prénom, mais aussi peut-être le account manager qui s'occupe de ce type de client. En B2B, c'est quand même vachement important de personnaliser, ou le revendeur local. J'en parlais tout à l'heure des gens qui vendent du fromage avec des revendeurs locaux. Donc c'est super important de pouvoir personnaliser la relation. Mais il y a également, en fonction des segments, si vous envoyez le même newsletter avec différents segments, et peut-être que à l'intérieur de la newsletter, vous allez avoir des choses différentes qui peuvent s'afficher. Cette personnalisation, on la retrouve dans l'email, mais on peut la retrouver aussi sur les pop-up sur vos sites web sur lesquels vous pouvez personnaliser. Vous pouvez personnaliser plein de choses en fait avec Marketing Automation. Donc, c'est assez puissant. La réalité, c'est que derrière, il faut une base de données. C'était notre premier sujet. Qui soit propre, nickel, parce que sinon, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. Donc ça, c'est super important d'avoir une base de données propre pour pouvoir faire ça. Mais les outils sont puissants. On peut personnaliser des vidéos, on peut mettre des formulaires dans les vidéos. Enfin, on peut faire plein de choses. Donc, un aspect qu'on n'aborde pas, c'est l'A-B testing. Mais toi, tu A-B testes un peu tes campagnes, tes emails avant ? Oui, oui. On en a fait, on en fait un petit peu moins en ce moment, mais ça reste un outil assez puissant. Alors pour l'A-B testing, il faut avoir un petit peu d'audace, hein, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on prend une solution, on prend soit effectivement un objet. Bon, au final, on ne change jamais beaucoup l'objet. Donc il se peut, et on a eu des résultats comme ça, que les deux résultats d'A-B test, en fait, il n'y a pas une grande différence. Donc, pour l'A-B test, il faut avoir un petit peu d'audace. Il faut essayer un truc un petit peu disruptif parce que sinon, ça a moins de... Il y a moins de résultats. Il faut oser penser qu'on a tous des intuitions bonnes ou mauvaises, mais la réalité, c'est qu'il faut les mesurer. Hein. Si je préfère le rouge au noir, c'est bien joli, mais si 80% du rouge transforme versus le noir, bon, à un moment donné, je vais me plier à cette injonction si elle n'est pas en contradiction avec la communication. Parce qu'il y a aussi des valeurs véhiculées par certaines choses, donc c'est important. Merci beaucoup en tout cas Lydia. Olivia. Et je vous propose en tout cas, si vous souhaitez avoir toute une méthodologie qu'on a mis en œuvre en livre blanc, pour,
vous pouvez, via ce QR code sur nos sites, aller le télécharger. Également, on est présent d'un stand en bas, donc on peut vous faire des démos, si vous voulez, du logiciel, ou parler de vos projets. Également, il y a un panier, Isabelle, repas, un panier de Savoyard à gagner avec de l'ail des ours, du fromage, etc. Donc n'hésitez pas à aller piocher dedans. Ça fait, bon, je sais bien que le repas n'est pas très loin, mais ça fait quand même toujours plaisir. Est-ce que vous avez des questions ? On a un petit peu de temps. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, Marie ? Alors nous, on utilise un sous-domaine de notre domaine SFR Business. Il ne fallait pas l'inviter, mais elle avait la réponse. Vous disiez que vous utilisez une autre solution de marketing automation avant. C'était laquelle ? C'était Marketo, du groupe Atobi. Ça avait atteint ses limites, du coup ? Alors, ça avait atteint ses limites. Je ne veux pas critiquer la solution, parce que c'est une très bonne solution aussi. Pour rien cacher, il y avait un aspect économique, d'une part, et d'autre part, et c'est là où on a réussi. Il y a eu un aspect en fait contractuel vis-à-vis de la RGPD, mais qui était très propre à notre groupe et à une demande de notre groupe en spécifique, auquel Marketo n'a pas voulu répondre. Voilà. Donc lié à la présence de data dans certaines zones géographiques, lié au sujet qu'on a évoqué, et ça, c'est des sujets sur lesquels, quelles que soient les fonctionnalités, ça reste un sujet primordial, effectivement. Merci. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie infiniment et à tout à l'heure autour du fromage alors. Merci beaucoup.